C'est une affaire particulière, dixit la procureure du tribunal correctionnel. À la barre, un surveillant pénitentiaire et un détenu, il leur est reproché d'avoir fumé de l'ice à l'intérieur de l'établissement. La scène, plutôt hors du commun, a été filmée, mais les faits se sont produits entre novembre et avril. Pour l'avocate de la défense, son client a été piégé, purement et simplement. Caline Liénard, Patrick Singsing. Escorté par les gendarmes, c'est une première pour ce gardien de prison que nous appellerons Jean. La raison de sa présence ici au tribunal, une vidéo sur un téléphone dans laquelle on le voit fumer de l'ice dans la cellule d'un détenu que nous nommerons Teva. Une preuve saisie à l'issue d'une enquête menée depuis plusieurs mois, Jean et Teva comparaissent aujourd'hui pour détention, transport, usage et recel de cannabis et de méthamphétamine. Mais leurs avocates demandent un renvoi du procès. Pour Maître Ayoun, Jean le gardien a été victime d'un piège. Parce qu'au moment de la consommation de l'ice dans la cellule, il y a bien quelqu'un qui a appuyé sur le bouton pour filmer la scène. Donc quelque part, je pense que ça a été une proie dans cette histoire-là. Quel intérêt de piéger votre client ? Bah, l'intérêt, c'est de, par la suite, hein, le faire chanter pour, lui faire, pour qu'il puisse rentrer du ice à l'intérieur. On sait qu'il y a des chantages qui se passent à l'intérieur de la prison. Le tribunal a renvoyé l'audience au 30 mai prochain. En attendant, Jean le gardien est placé sous contrôle judiciaire. Quant à Teva, il retourne à Tatoutou, dans sa cellule. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.